Hey hey hey! Et bien bonjour tout le monde, ici c'est Higgs Gangrave et comme vous aurez pu le remarquer, on se retrouve aujourd'hui pour le solo sur Call of Duty 2. Donc je vous avais dit que ça allait être une vidéo un peu surprise, donc voilà, donc j'ai décidé de refaire le solo de Call of Duty 2. Donc alors on va commencer par... voilà, on va commencer direct, voilà. Appuyez sur ça. Donc voilà, je vais vous laisser profiter des cinématiques. Pour les suivre, c'est bien suivre. La première à tomber est la Pologne, puis le Danemark, la Norvège, la Belgique, le Luxembourg, la Hollande et la France. 1941. Avec une armée de plus de 7 millions de soldats, l'Allemagne se tourne vers l'Est et entreprend l'invasion de l'Union soviétique. Utilisant la tactique du Blitzkrieg, la progression allemande est rapide et irrésistible à travers les défenses soviétiques, et les troupes atteignent Moscou en 4 mois. Du fait du manque de renforts, la défense soviétique à Moscou repose sur des milliers de recrues inexpérimentées qui doivent résister aux Allemands bien entraînés dans le froid implacable de l'hiver russe. Donc voilà, j'ai décidé de vous laisser profiter des cinématiques pour que vous puissiez bien vous imprimer du solo. Autre petite chose, donc je vais essayer de faire upload cette vidéo sur deux chaînes communautaires que j'apprécie tout particulièrement. Donc la première, très très bien connue, c'est Code QG. Donc merci à vous si vous uploadez ma vidéo. Deuxième chaîne, c'est la YouGame. Donc YouGame, une chaîne que j'apprécie tout particulièrement, qui fait un travail énorme et qui est pas reconnu, mais bon, c'est pas grave. Ça va très vite arriver. Donc voilà, je vais me présenter un peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors je m'appelle Marc, alias X Gungrave sur le PSN, et aussi un peu sur le Gamer Tag sur Xbox, mais je joue très peu sur Xbox. Donc d'abord, excusez-moi pour mon noobisme avec la manette de Xbox, parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas joué avec la Xbox. Donc voilà, donc ensuite, je suis youtubeur depuis à peu près 7 ou 8 mois, j'ai ma propre chaîne, je fais des vidéos essentiellement de Call of Duty Black Ops. Sinon, quoi d'autre donc j'ai la PS3. Je suis Call of Duty, si on peut dire ça comme ça, maintenant ça fait peut-être depuis la sortie de Modern Warfare 2, donc ça va faire 4 ans à peu près. Donc hop là, d'accord, donc ça fait à peu près, ouais, à peu près 4 ans. Et quoi dire d'autre sur ma vie? Donc je suis étudiant encore en apprentissage, voilà. Bon bref, assez parlé de moi. Donc je vais essayer de vous montrer un peu que ce jeu, et par en plus d'avoir à mon goût un des meilleurs solos de Call of qu'ils ont jamais fait. Je sais pas, j'ai pas joué, donc je peux pas être objectif. Mais je pense que ce jeu n'a pas beaucoup vieilli. Bon, certes, il y a beaucoup d'aliasing hein, sur, c'est normal, hein, il a quand même apporté une bonne 6 ans, je crois, 2005, donc 6 ans. Quoi dire de plus? Il y a à peu près 6 ans, donc là j'essaie de me concentrer pour essayer de déglinguer les casques, mais ah non, je recharge, bon, j'ai pas eu le dernier. Alors, il a à peu près 6 ans, et vous pouvez voir que quand même, pour l'époque, je sais pas si vous regardez l'arme et tout, donc je sais pas si avec la qualité du PVR ça va peut-être pas... Ça va peut-être... Eh bah, décidément. Bah. Oh. Voilà, bon, bref, bah. Ça va peut-être... amoindrir la qualité, mais il a su rester au goût du jour. Je sais pas si vous pouvez regarder les planches. Bon, certes, il y a un peu d'aliasing, ça s'affiche un peu au fur et à mesure, mais bon, pour l'époque, c'est-à-dire pour il y a plus de 6 ans, je trouve que ce jeu, il a quelque chose quand même. Je vais essayer de vous montrer les visages. Si j'arrive à choper un visage, on va essayer de regarder son visage. C'est quand même quelque chose d'assez proche de la réalité. Bon, c'est sûr, c'est pas un L.A. noir ou quoi que ce soit, mais
Je trouve que, à la limite, comparé à un Black Ops, il a pas forcément à rougir, hein, je veux pas dire, mais je sais pas, si on regarde le M1911 que j'ai dans la main, là je suis dans le sombre, mais ouais, même les visages, ils sont vachement, je trouve qu'ils sont limite mieux faits que sur Black Ops. Et bon, c'est vrai que Black Ops, il fait pas office de référence au niveau graphisme. Donc voilà, on va essayer de progresser dans cette mission, on va dire, mission entraînement, on va dire un peu. Donc sachant que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué, je me souviens à peu près de ce qui va se passer quand même. Mais je me souviens plus du tout de qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là si, là quand même, bon, certes, je me souviens quand même un peu. Donc on va recharger, donc le monsieur là, voilà. Il va monter l'échelle. Voilà. L'échelle, pépère, voilà, pépère. Alors, ah, il y a un BTR, hein, d'accord. Alors, on y va. On va monter à l'échelle. Bon, on va regarder la PPSH. On va voir ce que ça donne. Ah, alors. Ah, mais il est là, lui, encore. On va appuyer fini. Voilà. Hop, la fumée se déploie. Bon, leur regard est un peu livide, un peu dénué de sens, mais... C'est quand même, enfin les visages je trouve qu'ils sont vachement bien faits, même les déplacements, bon lui il court un peu contre le mur, et même les déplacements je trouve que c'était pas mal pour l'époque. Hop là. Je trouve que pour l'époque c'était pas mal, donc vous allez me dire sacrilège, je change d'arme, mais je préfère le fusil allemand. J'ai toujours préféré le fusil allemand. Surtout l'automatique, mais là l'automatique je pense qu'on l'a sur la prochaine mission. Donc voilà. Encore un coup. Ah, tu mets pas devant moi. Donc il y a aussi ce qu'il y a aussi de bien dans ce jeu. Hop là. C'est que l'intelligence artificielle n'est pas immortelle. Mais pas comme sur Halo, elle est pas immortelle, mais elle est comment dire. Elle est illimitée. Donc ça, voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché. Donc c'est à dire que si vous mourrez. Enfin si vos coéquipiers meurent, là, donc vous en tuez un, là, bon, je vais pas le tuer le pauvre, mais en fait ils reviennent toujours Ils reviennent toujours en fait, ils sont illimités, donc vous en avez toujours 4 ou 5. Donc ils reviennent toujours. Donc à la limite vous pouvez les laisser faire le boulot, mais bon, ce serait pas drôle si on jouait comme ça. Donc on va essayer de progresser petit à petit. Hop là. Donc là, il y en avait un barou, donc faut savoir que dans ce jeu il y a des barous. Comme quoi les barous d'odeur ça date depuis un certain temps. Je sais pas s'il y a certaines personnes, oui, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont eu la chance de jouer à ce solo. Et c'est qui? C'est un méchant, c'est un pote, c'est un pote. Que lui là, hop là. Voilà. Donc pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir jouer à ce solo, vous avez vu qu'il y avait déjà les barous, donc ça date depuis longtemps. Ça va être peut-être une vidéo, ça va sûrement être une vidéo, une série découverte pour beaucoup d'entre vous, parce que je pense que pas beaucoup de gens qui ont dû jouer aux deux. Je parle surtout pour les joueurs de moins de, je sais pas moi, qui ont à peu près 15 ans maintenant. Je pense pas qu'ils aient eu le plaisir de jouer à ce code. Donc ça va être, je pense, découverte pour eux et aussi beaucoup de nostalgie pour ceux qui ont eu la chance de jouer aux deux. Donc à savoir que moi j'ai à peu près 22 ans, donc la sortie elle remonte à mes 16 ans, enfin à mes 15 ans. Donc elle remonte à mes 15 ans. Donc ça fait longtemps. Ça a été mon tout premier jeu d'Xbox. Et je suis impressionné de voir à quel point ça a pas vieilli. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant, je dois dire. Regardez, même les flammes qui en général le truc le plus cheap dans les jeux, bah franchement là ça a des refaiblettés, c'est correct. Sinon au niveau profondeur, par contre au niveau profondeur de visée, enfin au niveau profondeur de champ, là par contre c'est vrai que ça craint un peu. Donc on a fini la mission entraînement.
Donc on va continuer sur la prochaine mission, et on s'arrêtera à la fin de la prochaine mission, donc j'essaierai de vous présenter un ou une ou deux missions par épisode. Alors démolition, sur Stalingrad, URSS, trois pâtés de maison au nord, rue de Soletchana. Oula. Ah, c'est celui-là que j'aime le plus, alors il est automatique, c'est un grand plus. Donc là je sens bien l'embuscade. Ouais, ici. Voilà. Je sens bien qu'il y en a un juste derrière le coin. Oh, grenade. Ah, mais il a rattrapé. Il l'a renvoyé. Explose. Ouh. Ah non, c'est pas. Ah, bah il est en bas. Je serais incapable de vous dire le nom du personnage. C'est vrai. Je sais pas. J'espère que personne ne me le demandera, mais le nom du personnage, je serais incapable de vous dire comment il s'appelle. Je sais pas, Vassili peut-être, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être Vassili. Bon, c'est loin de Johnson, Mason, ouais, Mason de Code 2, Code Black Ops. Mais il s'appelle Vassili, je pense, je crois. Ce fusil est vraiment excellent, je me souviens, je l'adorais quand je jouais à... quand je jouais sur Code à l'époque. Et je sais pas si, je crois qu'il y a moyen, en fait ça me fait penser un peu au FNFAL de l'époque. Celui-là, la PPSH serait, je sais pas, à peu près le... une grosse cadence de tir avec avec beaucoup de... Ah, peut-être le P90 au niveau comportement. Beaucoup de balles dans le chargeur, très peu de... enfin, beaucoup de recul, une grosse cadence de tir. Peut-être le P90 de l'époque. Là, ça, ça serait la FNFAL. Parce qu'elle est quand même assez puissante. Peut-être le M14. Enfin, le... ouais, le M14. Mais j'ai toujours préféré la MP40. Hein, donc, pour les fans de la MP40 comme moi, je vais essayer de faire plaisir avec cette MP40. Alors, hop là. Sentez qu'il y a de la puissance là, quand je tire, comparé au PPSH. Sentez que ça envoie de la grosse patate, grosse pâtée. Allez, mon cher ami. Je calme un peu. Ah, tiens, c'est pas un ami. Ouais, c'est pas un ami. Alors, on va y aller. Il me semble que là, on va choper un sniper. Regardez dans les jumelles. Ah ouais, parce qu'on peut pas courir dans ce jeu, on peut pas sprinter, donc on a les jumelles à la place. Donc ça nous permet de voir un peu l'avancée des coéquipiers. Alors on y va. C'est parti. C'est vrai que le fait de ne pas pouvoir courir, ça rend le jeu un peu monotone, mais enfin un peu moins dynamique, mais ça choque pas, ça choque pas. C'est vrai que pour esquiver les grenades, c'est assez dur des fois, mais voilà. Et lui, j'ai toujours eu envie de l'achever, le pauvre. Là, les chars vont passer au-dessus de votre tête. Si vous restez debout, vous faites décapiter. Quand j'étais jeune, je passais, je me disais, c'est pourquoi j'arrive pas à passer. En fait, non, c'est parce que je passais en courant. Ouais. Je me faisais décapiter. Comme un gros noob. Sinon, ouais, voilà. On va essayer de vous faire. Là, il y a un peu de profondeur de graphisme. Non, hein. C'est quand même assez, assez contenu. Donc, quoique, t'es peut-être pas moins bien. Enfin, ça sert à rien de faire trop de la profondeur de champ dans un jeu de guerre, vous allez me dire. Il faut mieux se concentrer sur ce qu'on a sur les yeux, c'est vrai. Donc là je suis quasiment sûr qu'on va... Ouais, ça c'est la truc, c'est un gros gameplay sniper ici. Donc ça s'appelle le Mosin, Nagan. Alors je vais essayer de vous mettre à la lumière pour vous montrer un peu la taille du... la truc du bestio. Donc voilà, en fait c'est voilà, on dirait un M14 avec une lunette fixée carrément dessus et un peu de camouflage. Mais il est super bien à utiliser au niveau précision et niveau gameplay, il est super. Donc ils vont arriver, les messieurs les Allemands. Voilà, ils sont là. Allez, on y va. Donc j'ai jamais été très fort au snipe, hein, je vois, ouais. Voilà. Ah bah il est sorti. Alors, il est touché. Allez. Et là, ils vont arriver en masse, donc je vais être obligé de sortir mon MP40 parce que c'est la première vague, donc sachant que la première vague, je pense qu'ils font l'assaut et après ils se reculent parce qu'ils voient le faire.
qui se sont fait casser la bouche. Quand c'est quitté. Ah, mais je vais... Donc c'est parti. Ah. Eh bah, décidément. Eh bah, décidément. Même monsieur. Bon, bah, j'abdique. Pourquoi donc le fail, quoi, il était sympa. Ah, c'est vraiment... Faut vraiment être précis, quoi, vous tirez à... C'est bon, ça. En plus, la cadence de tir est pas exceptionnelle. C'est vraiment, si vous tirez ne serait-ce qu'un demi-centimètre entre les jambes, ça passe pas, quoi. Voilà, là, par exemple, ça passe pas. Est-ce que les wallbangs marchent? Je suis pas sûr, je suis pas persuadé que ça puisse marcher. Donc je vais essayer de progresser un peu. Surtout de progresser sur les commandes snipe. Lui c'est un ami. Là, c'est... Ah, c'était une Thompson. Ah, je suis enflammé pour rien. C'est vrai que j'adore la Thompson. Hein. Donc, alors, j'ai vu. Alors, on va y aller. Oh, mais il y a un monsieur là, c'est pas cher. Alors, c'est parti. Ici. Oh, merci. Hop là. Allez, allez, recharge. Oh là là. Non. On regretterait presque pas ce passe, quoi. Voilà. Hein, mon ami. Sachant qu'ils one shot pas tout le temps, donc c'est assez compliqué de savoir si on a tué le mec ou pas, je ne sais pas. Le recul de la grenade m'a fait louper mon tir, saleté. Allez, c'est très lent pour charger. Bah ouais, c'est vrai que ça. Pas... Oh, petite doublette, hein, super barou. Hop là. Mais, oh là là. On va essayer de progresser un peu. Hop là, j'ai peut-être voulu progresser un peu trop. Non, ça va, ça a l'air de marcher, ça va se passer. Alors. Donc c'est parti, c'est une des. C'est vrai que c'est un gameplay vachement agressif à faire celui-là, dans cette émission-là, particulièrement. Il est extrêmement. C'est pour peu que vous aimez bien le snipe, vous vous régalez, hein, franchement. Bon. Certes, il faut taquiner pour. Il faut pas forcément taquiner, mais. Moi, je suis vraiment noobesque là. Alors là, il y a des. Alors, il y a des mitraillettes centrales. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie des. Parce que je pense que je vais faire là. J'envoie des fumigènes de l'autre côté, pour pouvoir me libérer un peu le champ d'une des deux. Voilà, et pouvoir avoir le temps de dégommer celle-là. Voilà. Ensuite. Petit peu. Allez. Voilà. Une petite tête peut-être. Bon. Là je pense que j'ai trop envoyé de fumigène par contre. Je me suis un peu manqué. On va essayer de... Bon voilà, on va essayer. Allez, on va essayer de les contourner. C'est merveilleux. C'est bon. Voilà, c'est pas si tranquille. Allez! Ah non, il n'a pas mis la première perruche encore. Voilà! Je ne suis pas avec nous. Il n'y a vraiment rien plus avec personne. Alors, on va essayer de faire un quickscope. Allez! Mission, essayer de faire de placer un quickscope. Allez! C'est dur, mes amis, c'est dur, mes amis. Hop là, la grenade. Voilà, alors est-ce que je vais avoir droit à un autre? Ah, il y en a là. Allez, ceci. On va recharger, on va se faire le dernier. Allez. Il y a un barou. Ah, il y a encore un au fond. Essayez d'avoir un noscope. Ah, le noscope, vous croyez qu'il est passé? Le second peut-être? Eh oui, le second, mes amis. Donc quoi, ça partait assez droit.
Non mais. Alors là, il y a des trous. Ah, on va essayer d'envoyer des grenades parce que je suis sûr qu'il y a des ennemis en haut. Non, faut voir, on verra. Ah, bah ouais, il y avait des ennemis. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Il me semble qu'il faut aller voir en haut. Ah, bon, pas bien. Ah, ils sont barricadés. Pas péter l'alarme, ça par contre voilà, c'est pas un battlefield, y'a pas des trucs destructibles. Mais... Ah, j'explosis, j'explosis. Tout de suite, camarade, maintenant on a besoin d'explosifs. J'ai un peu de TNT, je commence pas ici. Équipe de démolition. C'est ça, on s'appelle Vassili. Donc ça fait un peu un nom russe. Vous allez me dire, on est peut-être bien. Pas trop suivi, trop suivi. Si vous avez pu me suivre, moi. Le fait de pas pouvoir courir, ça. Voilà, hop, barricade, on passe par-dessus les barricades. Vous allez voir la magnifique explosion. Ah, j'ai loupé le pilier, c'était là. Vous savez, j'ai oublié de poser le. Voilà. Vous allez voir la magnifique explosion du bâtiment qui va noter, qui va marquer la fin de ce gameplay. De ces deux premières missions de Code 2. J'espère que ça vous aura plu. Grenade de l'époque. Ouais. Et voilà, voilà aussi l'explosion. Donc, modeste explosion, hein. Beaucoup de fumée. La fumée, c'est bien pour cacher les animations qui sont pas vraiment là. Non, mais vous pouvez voir quand même que, je sais pas, au fond, voilà. Bon. Ouais, c'est vrai que c'est un peu pixelisé. Mais... Voilà. Donc, on arrive au terme de ce gameplay. Donc c'était X-Gun Grave, en espérant que cette petite, ce petit début de solo vous aura plu, et que vous allez attendre avec impatience, pardon, la suite. Donc voilà, j'espère qu'on est parti pour une longue aventure ensemble. Merci à Code QG et à YouGame si vous voulez plugger ma vidéo. Donc voilà, c'était X-Gun Grave en direct de sa chambre pour le début du solo de Code 2, en espérant que ça vous aura plu, qui vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Et qui vous dit portez-vous bien. Voilà, je crois que c'était le mot du jour. Et la phrase du jour sera n'interrompez jamais un ennemi qui est en train de faire une erreur de Napoléon Bonaparte. Voilà, allez, bisous tout le monde, ciao.